Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'heure, ça m'arrange, moi aussi. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief du match de l'équipe de France avec un match gagné sur le score de 35-22 avec le bonus offensif. En première période, on a été bon en défense. On a su monter sur les Italiens pour garder le ballon. On a gratté des ballons. On a réussi à garder le ballon. Premier essai de Teddy Thomas avec une passe rasante de Romain Ntamack. Avec le deuxième essai de Charles Olivon, le Toulonnais, qui a été super bon. Il a réussi à platir dans l'embut. Après, il y a eu un essai de Aldrit, le Rochelais, qui a été super bon aussi, qui a su aplatir. On a su garder notre intensité pour aller chercher le point du bonus offensif. Après, il y a eu un essai de Romain Ntamack, où on a été bon. Il a été super bon, où il a aplati dans l'embut. Il a transféré toute la défense italienne, où il a été super bon. Après, il y a eu un essai de Baptiste Serin, qui a été super bon, avec Jalibert aussi, qui ont été super bons, les deux. L'ancien Bordelais Serin et le Bordelais Jalibert, qui ont été tous les deux bons, qui ont su ramener le point de bonus offensif pour l'équipe de France. J'espère qu'on va continuer dans cette dynamique pour aller chercher le trophée du tournoi destination, qu'on va faire un grand chelem et qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner contre le pays de Galles. Ce serait bien de continuer sur cette lancée pour ramener le trophée. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve pour le prochain débrief de Montpellier contre Bayonne et prochain débrief du match de l'équipe de France contre le pays de Galles. Au revoir.